Alors, le catalogue des moyens non médicamenteux, et je suis convaincu que vous en avez expérimenté quelques-uns. Alors, l'homéopathie, la kinésithérapie, les oligo-éléments, la phytothérapie, l'acupuncture, l'hypnose de la relaxation, la stimulation médulaire, la stimulation magnétique transcrânienne, ça fait chouette, mais ça n'est pas très adapté pour la polyarthrite. La musicothérapie, écouter un peu de musique, tout simplement, c'est pas mal, ça marche bien. Le sport et les activités physiques, alors ça, c'est fondamental, on n'insistera jamais sur l'utilité du sport et des activités physiques. Et moi qui suis un vieux rhumatologue, je peux vous dire que quand j'ai commencé la rhumatologie, quand un patient avait mal, la première chose qu'on lui disait, c'est ne bougez plus. J'ai des lombalgies. Eh bien, vous restez au repos, dans le canapé ou au lit. Et puis quand vous aurez moins mal, vous vous relèverez. Et donc, 3-4 semaines après, il se relevait, mais il avait peur. Parce que comme on lui avait dit de rester couché pendant 3-4 semaines, eh bien, quand il commençait à se remobiliser, eh bien, il avait l'impression d'être une espèce de petite poupée de porcelaine, il n'osait plus faire aucun effort, etc. Et donc les rhumatologues ont généré des générations, si je puis dire, des générations de patients douloureux chroniques. Et depuis maintenant, une trentaine d'années à peu près, une vingtaine d'années, on est revenu en arrière sur ce principe-là, en conseillant aux patients de bouger. Mais attention, il ne faut pas bouger n'importe comment. Il faut avoir des activités adaptées, adaptées à sa douleur, adaptées à sa pathologie, et savoir ne pas forcer quand on a mal. Si vous avez une arthrose de genou, ou une arthrite de genou, etc., si vous avez une pathologie du genou et que vous forcez de plus en plus sur votre genou, vous finirez par avoir mal, de plus en plus. Tandis que si vous le stimulez un petit peu, si vous bougez un petit peu, mais quand la douleur apparaît, qu'elle devient plus importante, à ce moment-là, vous vous arrêtez, vous vous reposez et vous recommencez à bouger. Et on s'aperçoit comme ça qu'il y a de plus en plus d'activités qui sont faisables. Et rien au départ ne doit être systématiquement interdit. C'est conseillé ou déconseillé, mais le plus souvent en fonction de ce que ressent le patient. Tout simplement. Il n'y a pas d'activité préétablie. Il y a l'activité qui fait mal au patient et l'activité qui lui fait pas mal. Sous réserve qu'il sache ne pas dépasser le seuil de douleur important. Alors, il y a sûrement encore d'autres trucs là-dedans. Je m'aperçois que je n'ai pas mis les huiles essentielles. Très à la mode, les huiles essentielles actuellement. Donc, le nombre de patients qui arrivent avec son truc d'huile essentielle, moi, je me suis mis ça. Le curcuma, tiens. Le curcuma, ça marche pas mal en ce moment aussi. J'ai vu un patient l'autre jour qui m'a dit, pour mes articulations, on m'a dit de prendre de la bave d'escargot. En dehors du fait que ce n'est pas extrêmement tentant, je ne sais pas comment c'était traité. Mais on n'a pas vu encore de résultats positifs de la bave d'escargot. Mais il y a plein de choses. Alors après, il est évident qu'il y a des placebos dans tout ça. Mais à partir du moment où il n'est pas dangereux, un placebo, qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est que le patient aille mieux. S'il prend de la bave d'escargot et qu'il vous dit « moi, j'ai 40% de mes douleurs qui ont diminué », ben, prenez l'escargot avec, hein, continuez. Mais il n'y a pas d'interdit. L'effet placebo n'est pas un effet qu'il faut rejeter systématiquement. Il faut simplement savoir qu'il existe avec tous les médicaments et qu'on doit en tenir compte quand on prescrit quelque chose. Mais l'effet placebo reste quelque chose de tout à fait valable. Zut, j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est la flèche, pardon. Les traitements des douleurs maintenant. La douleur aiguë, ben on passe très vite parce que traiter une douleur aiguë, c'est facile. Vous avez l'appendicite, on vous enlève l'appendice, l'affaire est réglée. Donc, ça, traiter une douleur aiguë, les médicaments dont on dispose, y compris les opioïdes, ça marche, il n'y a pas de problème. Le traitement de la cause, ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc, le traitement de la douleur aiguë, dans l'ensemble, globalement, on la maîtrise dans 99% des cas. C'est beaucoup plus difficile en cas de douleur chronique. Et la polyarthrite fait partie des maladies qui génèrent des douleurs chroniques. Là, on a la cause, on sait pourquoi ça fait mal. Mais simplement, on n'arrive pas à éradiquer la cause. Donc la prise en charge d'une douleur chronique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce que l'on sait qu'une douleur chronique, quand elle s'installe, quand elle est permanente, quand on n'arrive pas à la soulager, elle envahit la vie. Elle envahit la vie physique, elle envahit la vie psychologique, parce qu'on se dit « mais je suis diminué, je n'arrive pas à faire ce que je veux, etc. » Donc ça finit par taper sur le système. Elle envahit la vie socio-professionnelle, elle envahit la vie familiale, elle envahit la vie de loisirs. Et donc elle est présente dans tous les stades de la vie quotidienne. Et une douleur qui est présente dans tous les stades de la vie quotidienne, c'est une douleur qui finit par générer un syndrome anxio-dépressif. Et ça, c'est normal. Et personne ici ne pourra me dire qu'il n'a jamais eu ou qu'il n'aura jamais une réaction dépressive à sa douleur quand elle existe depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'on n'en voit pas le bout. Tout le monde est sujet à ça.
Donc le syndrome anxio-dépressif, on est obligé d'en tenir compte, ce qui d'ailleurs nous arrange avec la prescription de la Roxyl dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on fera d'une pierre deux coups sur la douleur et sur l'humeur du patient, par exemple. Donc la réaction anxio-dépressive, elle est extrêmement importante à considérer. Il y a quelques règles de prise en charge d'une douleur chronique. Des règles que tout médecin qui va prendre en charge, et c'est quelque chose qui est souvent très difficile, la prise en charge d'une douleur chronique, et il y a beaucoup de médecins qui s'y refusent. Parce que ce n'est pas gratifiant, ni pour lui, parce que ça ne marche pas bien, ni pour le patient, parce qu'il n'en voit pas le bout non plus. Et donc, les règles préalables, vous avez d'abord, un, pas de recette universelle. Il n'y a pas le médicament. « Ah, ma voisine, elle a pris du tramadol. » Tiens, on va parler du tramadol tout à l'heure. Elle a pris du tramadol, et quand elle a pris du tramadol, elle n'a plus de douleur. Bon, bah, très bien, formidable. Mais moi, j'ai pris du tramadol et j'ai vomi toute la journée. Parce que le tramadol est un médicament qui fait vomir. Il marche très bien sur la douleur, mais il fait vomir. Donc, il n'y a pas de recette universelle. Ce qui marche chez Dupont ne marchera pas chez Martin. Première chose. Deuxième chose, il faut bien entendu, et c'est basique, il faut que le médecin qui va soigner la pathologie la connaisse. Et puis, il faut qu'il connaisse les médicaments, les moyens, pas seulement les médicaments, les moyens qui sont à sa disposition pour traiter la douleur en question. Il faut aussi tenir compte des différentes composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la composante religieuse, la composante socio-professionnelle, etc. Et autant que faire se peut, on essaiera d'agir sur ces différentes composantes. C'est plus ou moins facile, on y arrive, mais il faudra en tenir compte. Toujours faire confiance au patient lorsqu'il dit qu'il souffre. Le mot « douiller » est un mot qui doit être banni du vocabulaire des médecins en général et des algologues, pas co, des algologues. C'est un mot qui doit être banni du vocabulaire des médecins. Il n'y a pas de patients douillés, il y a des patients qui ont des seuils de tolérance à la douleur qui sont variables. Et soi-même, à différentes périodes de notre vie, nous aurons un seuil de tolérance qui sera différent. La douleur que nous supporterons facilement à tel moment, nous la supporterons difficilement à un autre. Et c'est fonction de ce qu'on disait tout à l'heure, les composantes extérieures. Si vous tout va bien chez vous, vous avez mal, vous avez tendance à négliger un petit peu la douleur. Rien ne va bien, vous vous réfugiez dans la douleur en oubliant les soucis que vous avez à côté. Donc, il faut tenir compte des composantes en question. Il faut toujours se fixer des objectifs réalistes et raisonnables. Vous avez un patient qui a mal partout. Ne vous inquiétez pas, dans 6 mois, vous n'aurez mal nulle part. Il dit de vous dire que 6 mois plus tard, il a toujours aussi mal, voire plus. Et en plus, il est déçu. Il est déçu parce qu'il espérait aller mieux, puis il ne va pas mieux. Donc, quand on prend un patient en charge qui a une douleur chronique, et ben on va voir avec lui, mais qu'est-ce qui vous aide le plus dans votre vie ? Ben écoutez, moi, j'ai une polyarthrite, mes mains, ça va à peu près, mais mon genou, c'est une catastrophe. Eh ben on va s'attaquer au genou. Et puis, s'il faut mettre une prothèse de genou, on mettra une prothèse de genou. S'il faut faire des traitements locaux d'infiltration ou autre, eh ben on va insister sur les traitements locaux. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est mon réveil nocturne. Mais vous êtes réveillé la nuit, pourquoi ? Parce que vous êtes en poussée inflammatoire ? Ben non, mais c'est mes douleurs, le stress, etc. Eh ben, on va agir, ou sur la poussée inflammatoire, en forçant un petit peu plus sur la cortisone du soir, si c'est un patient qui a de la cortisone, ou en forçant sur les traitements qui vont régulariser un petit peu son sommeil, etc. Donc, on va se fixer des objectifs, et on va attaquer les objectifs les uns après les autres. Ça marche, plus ou moins. Mais on sait comme ça qu'on doit procéder. Donc, jamais de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et toujours avoir à l'esprit la phrase fondamentale que tout médecin doit prononcer au moment du serment d'Hippocrate, c'est « primum non nocere ». D'abord, ne pas nuire. Donc, faire bien attention à ne pas donner n'importe quoi, à ne pas faire n'importe quelle activité. Donc, essayer autant que possible d'apporter un bénéfice et surtout de ne pas apporter d'effets négatifs. D'abord, ne pas nuire. Ça, c'est fondamental. Les douleurs de la polyarthrite, ben, tout ce que je vous ai dit là, vous me direz, ben, vous nous avez parlé de la douleur chronique en général. Ben oui, sauf que pour la polyarthrite, c'est la même chose. Hein, parce qu'il n'y a pas de médicament de la douleur chronique de la polyarthrite rhumatoïde, comme il n'y a pas de médicament de la douleur chronique de l'arthrose, etc. Ça rentre dans le lot des douleurs chroniques habituelles. Avec, bien entendu, un peu plus de spécificité, il n'est pas facile à dire, hein, avec un peu plus de caractéristiques, et donc on va bien entendu utiliser au maximum ce que la médecine, ce que la science nous apporte sur la polyarthrite rhumatoïde. Et dans la polyarthrite, qu'est-ce que l'on sait le plus? Et ça, c'est ce dont vous avez été abreuvé pendant les sessions précédentes, le miracle des traitements de fond modernes. Les biothérapies qui ont quand même transformé pour beaucoup de patients, mais pas pour tous, pareil, ça ne marche pas pour tout le monde.
la transformation de vie qu'ont apporté les biothérapies à un certain nombre de patients. Parce que ce qui est important, c'est de limiter au maximum les destructions articulaires. Un patient qui a une polyarthrite, et sa polyarthrite est éteinte, mais elle a eu le temps de faire des dégâts articulaires importants, parce que finalement, c'est un patient qui se retrouve dans une situation comme s'il avait eu de l'arthrose. C'est la même chose. La polyarthrite dort, elle n'est plus inflammatoire, mais elle a fait tellement de dégâts dans les articulations que finalement, on se retrouve avec les douleurs qu'aurait eu n'importe quel patient qui aurait eu une arthrose diffuse, par exemple.